Pas de hors-jeu, Wahbi Khazri. Et l'ouverture du score pour les Aigles de Carthage à la 5e minute par l'ancien Bordelais. Nouveau joueur des Black Cats, c'est pas chat noir là-dessus, Wahbi Khazri. Ici à Monastir après 5 minutes seulement. Oh, l'ouverture elle est magnifique, elle est limpide. Et je crois que le Liberia a joué le hors-jeu de façon un peu trop présomptueuse. C'était un peu trop téléphoné dans un premier temps, mais ça revient. Attention à ce ballon qui file. Et il a dû l'observer, James Gallet, filer devant son poteau droit. Ah, ça va. À 100 à l'heure, d'un côté comme de l'autre. C'est la troisième contre-attaque consécutive, cette fois-ci. Le drapeau n'est toujours pas levé. Gallet qui se trouve complètement. Oh, la bourde. La bourdasse énorme de James Gallet qui offre le 2-0 à la Tunisie à 10 minutes de la fin de cette première période. Et cette fois-ci, c'est Yacine Kelissi. Oh, qui n'en croyait pas ses yeux, lui non plus. Qu'a fait James Gallet? C'est complètement troué, il est sorti là. Faudrait revoir ça parce que j'ai cru que le drapeau allait se lever. Il y a eu trois contre-attaques consécutives. Et il y a ce but un petit peu fou. On en sourit. Un pénalty a été oublié contre lui tout à l'heure. Non, il n'y a pas de hors-jeu. On joue le hors-jeu. Et là, Gallet, il nous tente un coup de pied kung fu. Et se rate complètement. Il est à la sortie de sa surface de réparation. Khazri. Khazri, la petite roulette. Il a du champ. Il cherche le deuxième poteau. Et Gallet. Ça filait juste sous sa transversale. La claquette main opposée. Celle-là, on peut la claquer. Et la belle envolée de James Gallet. C'est bien des deux côtés. Après deux ou trois journées. C'était encore un petit peu le cas cette année. Attention, 3-0 peut-être ici. Gallet qui avait plongé. 59-41 pour être exact, les statistiques que l'on a pu recueillir à la fin de la première période. Il y avait un coup de sifflet, il me semblait. Eh bien, ce sera une réduction de l'écart, au contraire. Avec, attention, Marc Paille qui revient ici. Et ce but, il reste 20 minutes. Il faut faire attention. Ouais, la frappe, attention, retour. Et le voilà. Le but du 3-1 avec une nouvelle erreur, malheureusement, de James Gallet. Khalifa, il est rentré il y a 3-4 minutes. Et il vient offrir un nouvel avantage de 2 buts pour la Tunisie. Jaillissement kung fu bizarre. Même Zlatan Ibrahimovic ne nous avait pas offert des gestes comme ça. Et encore une nouvelle boulette de Gallet. Et qui va concéder le pénalty. Khazri avait poussé trop loin son ballon. Prend un avertissement. Et c'est vous qui êtes fou, James Gallet. I'm sorry. Aïe, aïe, aïe. Alors il faut savoir, hein, on le rappelle, il y avait Nathaniel Sherman. Si là c'est fait, contre-pied parfait de Hamza Lamar. Et le public est tout content parce qu'il est de sous, il est de juste à côté. Attention même à ne pas prendre une casquette. Gallet se rate et cette fois-ci c'est la transversale. Oh, c'est le festival. Khazri dans ses œuvres. Extérieur du pied un peu trop appuyé, mais que c'est beau cette petite roulette à chaque fois. Ou cette semelle. Pour se mettre le ballon dans le bon sens, la frappe enroulée, le poteau, c'est un festival, c'est un bouquet final.